ce soir, c'est match. 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 Mon pronostic pour Marseille-Dijon, 8-0. Voilà, je suis très sérieux. 8-1 à la rigueur. Allez, un petit 8-1. J'étais dégoûté, les amis. Je me disais, l'OM, il joue plus rien et tout. Mais avec la défaite du PSG, tout est possible, les amis. Tout est encore jouable. Voilà, que si le PSG perd tous ses derniers matchs et que l'OM gagne tous ses derniers matchs et que Monaco perd ses derniers matchs aussi et que Lyon fait des mauvais scores et que Lille continue à gagner, voilà, on se qualifie en Ligue des Champions, les gars. La vie de ma mère. Oula, je sais qu'il y a très peu de chance, les gars. Mathématiquement, c'est pratiquement impossible. Je sais, les gars, je sais. Mais imagine. Imagine. Imagine, frère. Oula, imaginez, bordel. Imaginez un peu dans vos têtes, là. Toujours défaitiste. Ouais, ça y est, ouais, c'est bon. Sans trop loin du podium. Non, les gars. Non. C'est la seule chose qu'on a le droit. C'est imaginer. On peut imaginer, c'est gratuit, les gars. Que tu sois milliardaire ou SDF, imagine. Imagine. Coucou, je m'appelle Léna. Voilà, je m'appelle Léna. Je suis bête. C'est sûr que j'irai pas à Léna à l'école. J'aime bien les mecs qui sont en prison. Voilà, je passe toutes mes nuits au téléphone avec des mecs au HEPS. Voilà, la prison c'est dur. Mon vagin c'est sûr. J'aime bien les racailles. Si t'es pas dealer, je te donne pas l'heure. Voilà, c'est tout. Moi, mon mec, minimum, faut qu'il ait fait 2 braquages dans sa vie. Même si ça a rien apporté, c'est pas grave. Même s'il a rien gagné comme sous, tant qu'il braque, c'est bon. S'il braque, je me braque pas. C'est tout, c'est comme ça. Je m'appelle Léna. Oui, voilà, c'est tout. J'aime bien les bandits. C'est tout, voilà. Et si t'as pas de moto aussi, c'est même pas la peine. Et je mets pas le casque, je mets pas le casque, voilà. Il faut que tu me quilles en moto, il faut que tu cabres aussi. Même si je tombe, c'est pas grave. Voilà, après être tombé sur toi, je tombe sur le bitume, mais c'est pas grave. L'essentiel est de se relever et de... C'est simple, l'OM, ils sont à 17 points de Monaco, 17 points de la troisième place qui est significative de place en Ligue des Champions, d'accord? L'OM va gagner ce soir, on sera à 14 points de Monaco, derrière il va rester 7 journées, ok? 7 journées, si l'OM gagne les 7, ça fera 21 points, 21 points moins 14 qui les séparent de Monaco, ça fait 7 points. Vous voyez, il reste 7 journées et il y aura 7 points d'écart, déjà c'est un signe les gars, on commence à être dans les signes. Donc, 7 points d'écart. Donc, si Monaco, même Monaco, ils peuvent se permettre, on peut les laisser gagner 2 matchs. Monaco, les gars, voilà, sur 7 matchs, on leur laisse gagner 2. Ils en perdent 5. Si Monaco perd 5 matchs, que l'OM en gagne 7. Et, ah non, mais non, il y a des clubs devant nous aussi. Il y a Lyon et tout. Je refais mes calculs, je reviens dessus. Je me reprends, les gars. Si l'OM gagne ses 7 derniers matchs et que Monaco en perd 2, que Lyon en perd 2, que Rennes en perd 2, que Lens en perd 2 ou 3. Donc voilà. Si eux ils perdent, ça fait quoi? On peut leur laisser une marge de 2. On peut leur laisser 2 défaites chacun et un match nul. D'après mes calculs, l'OM est qualifié en Ligue des Champions, les gars. Voilà. Je sais que mathématiquement, les chances, elles sont infimes. Les chances, elles sont très très petites, très très faibles, les gars. Je sais que c'est impossible, les gars. Mais imagine. Les gars, très bonne nouvelle. Il y a Dimitri Payet. Dimitri fait la jet. Oh là, les gars, il a fait une jet. Sampaoli, c'est sans pain au lait. Oh là, les gars. Avec Sampaoli, c'est sans pain au lait. Il n'y avait pas de pain au lait, pas de pain au chocolat, pas de kebab, pas de tacos, pas des bouffetous Payet aussi. Je vais pas faire toute la liste, les gars. Mais oh là, qu'il est musclé. Incroyable, sec, affûté. Je le reconnais pas, les gars. Oh là, j'ai vu Payet, je croyais que c'était Kawi. Oh là, les gars, il est anorexique comme Kawi, les frères. C'est encourageant, ce soir, Payet, il va faire le poids, les gars. Je vous le dis, il revient à son meilleur niveau. Voilà, avant, il était revenu à ses meilleures blanquettes de veau. Là, son meilleur niveau. Imagine, frère. Imagine. Ouais, je sais que c'est impossible, je sais, frère. Mais imagine. Oh, imagine. Imagine. Ah, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais ça m'a manqué la Ligue 1. Oh là, ça m'a manqué, les amis. Et en plus, qu'il y a un espoir de qualification en Ligue des Champions, tous les ingrédients sont... Hors sujet, des fois tu parles avec des meufs, la meuf elle te dit quoi? Je suis 100% naturel! Ça se voit, voilà, t'es moche. La vie... Incroyable, l'histoire est en marche, les gars. Voilà, on recolle au podium, on met la pression à Monaco. L'OM met la pression à Bamako, mon frère. Oh là, incroyable. La cabeça, mon pote. Oui, je suis...
Hey, ça me rappelle Basile Boli, les gars. Voilà. Basile Boli en 93, les frères, à Munich. En plus, Munich, ils affrontent le PSG, c'est un signe, les gars, non? Voilà. Incroyable, là. Boum. Voilà. Ça, c'est un coup de boule, Balerdi. Voilà, Boulerdi, frère. Boum. Magnifique. Et voilà, petit. Il a parié.